لله الحمد لله الذي فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا الحمد لله الذي فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا ووعد على ذلك أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل في كل وقت ومكان احفظوا أوامر ربكم تحفظوا وعظموا حرماته وشعائره تتقوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب واتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها المسلمون لم يبق على الحج من يومكم هذا إلا حوالي شهر يزيد قليلا وقد جعل الله الحج ركنا من أركان الإسلام الخمسة وجعله أفضل العبادات باشتماله على المال والبدن كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء لأن الحج يجمع معالي العبادات كلها فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورافق في سبيل الله وغزى ولأن دعينا إليه ونحن في أصلاب الآباء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميم صدق الله العظيم لوجه الله Il a prescrit le pèlerinage à ceux qui en ont les moyens. Et il a promis à cet effet aux pèlerins de sa maison sacrée des mérites et des récompenses immenses. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité, ni dans les cieux ni sur la terre, qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Allah l'a envoyé avec la guidance, la voie de la droiture. Il a été envoyé avec la religion de la vérité afin que cette religion puisse triompher sur toute autre religion au détriment des idolâtres. Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Sur sa pieuse famille, ses fidèles et distingués compagnons, et sur tous musulmans qui vont les suivre dans la piété et la bonté jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères, chers sœurs musulmans, serviteurs d'Allah, je vous recommande en commençant par ma personne en prière, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, lieux et moments. Observez, ô serviteurs d'Allah, les recommandations de votre Seigneur. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala veillera sur vous et vous protégera. Exaltez les injonctions sacrées de votre Seigneur, les lieux et les moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sacré. Donnez de la valeur à ces choses. Ainsi, vous allez atteindre la piété et approvisionnez-vous. Et sachez que la meilleure des provisions n'est d'autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété face à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons des serviteurs pieux et sincères. Chers frères, chers sœurs musulmans, nous ne sommes qu'à un mois et quelques jours avant le grand jour du pèlerinage.
Le pèlerinage qui est l'un des cinq piliers fondamentaux de l'islam. Le pèlerinage qui est l'adoration qui a plus de valeur que toutes les autres adorations vu son caractère spécial selon l'estimation de certains connaisseurs musulmans. Car en effet, en islam, les adorations sont divisées en deux sortes. Nous avons des adorations qu'on appelle al-ibadat al-badaniya, les adorations corporelles. C'est ces adorations-là que nous les exerçons en fournissant des efforts avec le corps, tels que les ablutions, la prière, le jeûne. Ces adorations sont purement corporelles. Et nous avons une deuxième sorte d'adoration qu'on appelle al-ibadat al-maliya, c'est-à-dire les adorations financières ou matérielles. Ces adorations-là, celui qui n'a pas les moyens ne peut pas les faire, tels que la zakat. Tout à l'heure, on a fini le mois de Ramadan, on parlait de la zakat pour fitr. Celui qui n'avait pas les moyens, ce n'est pas une obligation sur lui d'accomplir cette adoration, car c'est une adoration purement matérielle. Et alors, Subhanahu wa Ta'ala a donné un caractère spécial au pèlerinage qui n'est dans aucune autre adoration. À savoir, le pèlerinage est une adoration et corporelle et matérielle en même temps. On ne peut pas accomplir le pèlerinage sans fournir des efforts avec son corps. On ne peut pas accomplir le pèlerinage sans dépenser ses biens. C'est pourquoi celui qui a accompli le pèlerinage, c'est comme s'il avait prié, jeûné. C'est comme s'il avait accompli la retraite spirituelle. Celui qui a accompli le pèlerinage, c'est comme s'il s'était acquitté de la zakat. C'est comme s'il avait donné de l'aumône. Car il a fourni des efforts avec son corps et il a dépensé également son argent. La place du pèlerinage en islam, le pèlerinage occupe une très grande place en islam. C'est une adoration hors pair. Une adoration qui n'a pas d'exemple. C'est pourquoi le Subhanahu wa Ta'ala nous a recommandé l'accomplissement de cette adoration avant même notre arrivée sur cette terre. Lorsque le Subhanahu wa Ta'ala a ordonné à Ibrahim de construire sa maison avec son fils Ismaïl, lorsque Ibrahim a terminé la construction de la maison d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, alors Subhanahu wa Ta'ala va ordonner à Ibrahim de monter sur une montagne et de appeler, inviter les serviteurs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala à venir accomplir le pèlerinage de sa maison sacrée. Alors Ibrahim, il s'étonna. Ibrahim ne comprenait pas. Il dit, Ya Allah, comment est-ce que les gens pourront entendre? Comment les gens pourront écouter mon appel pendant que je suis au milieu de nulle part? Je suis au milieu du désert ici. Qui va m'entendre? Alors Subhanahu wa Ta'ala dit à Ibrahim, Nati wa alayna al-bala. Ibrahim, à toi l'annonce et à moi le Subhanahu wa Ta'ala la transmission. Alors Subhanahu wa Ta'ala a fait écouter cet appel de Ibrahim alayhi salam. Tous les êtres humains qui étaient à l'époque d'Ibrahim jusqu'à la fin des temps, nous tous nous avons écouté cette invitation que Ibrahim alayhi salatu wa salam a adressée à l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi, chers frères, chers musulmans, vu ce caractère spécial qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé des récompenses immenses pour ceux-là même qui vont accomplir cette adoration. Les récompenses du Hajj, si on veut en parler, un khutba ne suffit pas. Ni d'ailleurs, une année ne suffit pas de parler des valeurs, des bienfaits, des mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le pèlerinage. Raison pour laquelle nous avons cité quelques-unes à titre d'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. La première récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à un pèlerin est que celui-là même qui a des péchés, celui-là même qui est en mauvais rapport avec son Seigneur, celui-là même que son ancienne vie était remplie de péchés, de désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui-là il veut regretter, il a regretté, et il veut retrouver un bon rapport entre lui et son Créateur,
Il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses fautes. Celui-là, il veut qu'on l'ouvre une nouvelle page dans sa vie. Celui-là, il veut que le compteur de ses péchés revienne à zéro. La solution, c'est le pèlerinage. Li'anna al-hajja yahdou maqam. Car le professeur Allah alayhi wa sallam a dit, le pèlerinage annule tous les péchés que le musulman a eu à faire avant d'accomplir le pèlerinage annule tout cela. Le pèlerinage ouvre une nouvelle page pour ta vie. Le pèlerinage remet ton compteur des péchés à zéro. Et cela, nous l'avons compris dans l'histoire de la conversion de l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Amr ibn al-As. Celui-là même qui a été la cause que l'islam est rentré en Égypte. C'est pourquoi en Égypte aujourd'hui, si tu vas au Caire, il y a une mosquée qu'on appelle Jami' al-Amr ibn al-As, la mosquée d'Amr ibn al-As. Ce monsieur-là, avant de se convertir à la religion musulmane, il était l'un des infidèles, l'un des idolâtres, l'un des ennemis les plus radicaux envers la religion musulmane. Il avait subi tous les types de tortures, des nuisances aux compagnons et au prophète Mohammed alayhi salam. Il a torturé les compagnons du prophète et le prophète lui-même alayhi salam jusqu'à arriver à un niveau que le prophète lui-même il a songé à prononcer des paroles de malédiction à son encontre. Le prophète voulait le maudire. Et alors subhanahu wa ta'ala dit à son messager, ya Rasulallah, cette décision ne t'appartient pas. Pardonner à quelqu'un ou bien laisser une personne dans l'égarement, cela m'appartient à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus tard va ouvrir le cœur des Amr ibn al-As vers la religion musulmane. La lumière de l'islam va pénétrer dans le cœur des Amr ibn al-As. Amr ibn al-As viendra voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ya Rasulallah, ubsut yamina kalimubaya. Il dit, oh messager d'Allah, j'aimerais que tu me tends la main afin que je puisse me convertir à l'islam. Tends-moi ta main, ô messager d'Allah, afin que je puisse, n'est-ce pas, te prononcer, te attester qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie va être dédiée pour cette religion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Amr ibn al-As va venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer cette bonne nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui tendre la main. Il va dire, allez Amr, vas-y, convertis-toi à la religion musulmane. Amr ibn al-As dit, lorsque le prophète m'a tendu la main, il dit, j'ai retiré ma main. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Amr, malaka ya Amr, qu'as-tu au Amr? Tu veux renoncer à ta décision? Tu ne veux plus te convertir? Amr ibn al-As dit, ya Rasulallah, non, loin de moi cette idée. Je vais toujours me convertir à l'islam, mais il y a quelque chose qui me tracasse. J'aimerais savoir, est-ce que ma conversion à l'islam a une utilité? Parce que mon ancienne vie est remplie de tortures, de péchés, de nuisances envers toi et envers tes compagnons. Alors, est-ce que si je me convertis à la religion musulmane, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra me pardonner mes fautes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ya Amr, il dit, ya Amr, ne sais-tu pas que le fait de te convertir à la religion musulmane annule, efface tous les péchés que tu as eu à commettre avant le jour de ta conversion? Celui qui se convertit à l'islam, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui nettoie de tous ses fautes. Il dit, ya Amr, ne sais-tu pas que l'immigration, quitter un pays, une cité pour aller dans une autre, afin de pouvoir mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne sais-tu pas que cet acte, cette action annule tous les péchés que tu as eu à commettre avant le jour de ton immigration? Il dit, ya Amr, ne sais-tu pas que le pèlerinage annule tous les fautes passées? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de fautes et de péchés. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être encore plus explicite dans un autre hadith, en ce qui concerne le pardon des péchés avec le pèlerinage. Il dit, celui qui a accompli le pèlerinage comme il le faut, il dit, il revient chez lui comme les jours où sa mère l'a mis au monde. Il revient nettoyé, lavé de tous les fautes et péchés. Alors, subhanahu wa ta'ala nous apporte son pardon. Et chers frères, chers soeurs musulmans, deuxième récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux pèlerins, c'est ce que nous tous nous sommes en train de rechercher.
Dans cette mosquée, vous allez trouver que peut-être 99% ou bien 98% sont des étrangers. Nous sommes ici à cause de quoi? On dit chacun est mieux chez lui, n'est-ce pas? On est venu dans ce pays, pourquoi? Pour fuir peut-être la pauvreté, la misère, peut-être la galère. On est venu ici pour la recherche des biens. Et alors, Subhanahu wa Ta'ala nous dit, pour fuir la pauvreté, pour fuir la misère, pour fuir la crise, c'est-à-dire la crise même que nous sommes en train de traverser actuellement, et qui est devenue la chanson dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, tu te demandes comment ça va dire, ah, il y a la crise. Chez lui que ça va, chez lui, il va te dire, il y a la crise. Celui-là même que ça va pas, chez lui, tout le monde est unanime que nous sommes en crise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous dit, pour nous donner une solution, pour nous éloigner de la crise, de la pauvreté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous dit, تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. Il dit faites successivement le pèlerinage, faites successivement la umra, faites ça beaucoup, c'est un investissement, ce n'est pas zéro. Car lorsque vous allez faire ça, alors Subhanahu wa Ta'ala va vous éloigner des péchés, numéro 1. Et alors Subhanahu wa Ta'ala va vous éloigner de la pauvreté. Il vous éloignera de la crise de la manière que le feu éloigne les rouilles du fer, de l'or et de l'argent. Voici la solution que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nous dit. Le prophète alayhi wa sallam qui a été qualifié à Subhanahu wa Ta'ala dans le Coran en disant wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et pour couronner, n'est-ce pas, toutes ces bénédictions et toutes ces mérites, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit al hajj mabrur laysa lahu thawabun illa al-jannah. Un pèlerinage qui a été accompli comme il le faut, il dit n'a d'autre mérite que le paradis. Allahu Akbar. Avoir accès au paradis. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. La réussite, le souhait ultime qu'un être humain peut chercher dans sa vie, c'est d'avoir accès au paradis. Alors c'est celui-là qui a été épargné du feu de l'enfer et qui trouve accès au paradis, en réalité c'est celui-là le gagnant. Car Subhanahu wa Ta'ala nous apporte au paradis. Chers frères, chers soeurs musulmans, et la question qui se pose d'elle-même maintenant, c'est ce pèlerinage-là, sur qui le pèlerinage devient obligatoire. C'est ce que Inch'Allah nous allons répondre dans la deuxième partie du Khutba. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salam wa salam wa ala nabiyyihi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Alors après avoir connu la place que le pèlerinage occupe dans la religion musulmane, ainsi que les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour les pèlerins de sa maison sacrée, la question qui se pose d'elle-même, c'est sur qui le pèlerinage est obligatoire. Parce qu'on a tendance à voir certains musulmans qui s'auto-excluent, c'est-à-dire eux-mêmes ils se font sortir des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé d'aller accomplir le pèlerinage. Alors, quelles sont les conditions, n'est-ce pas, qui rendent le pèlerinage obligatoire sur un musulman? Quatre conditions. À toi de voir. Validin Sam, ala nafsihi basira. Chacun d'entre nous se connaît mieux. Alors, à toi de voir, est-ce que ces quatre conditions-là sont réunies à moi ou pas? Premièrement, l'islam, être musulman. Le pèlerinage n'est pas obligatoire sur un non-musulman. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'est même pas. Lui-même, il n'a même pas accès à la mer, ni à Médine. Deuxième condition, al-hurriya, être un homme libre, ne pas être un esclave. Le pèlerinage n'est pas obligatoire sur les esclaves. Troisième condition, al-bulugh, atteindre l'âge de la puberté. Et l'âge de la puberté, il faut bien détailler là-bas aussi, parce que certaines personnes, lorsqu'on va dire être majeur, peut-être lui va penser qu'être majeur, c'est d'avoir l'âge de 40 ans. Non, non. Être majeur pour un homme, excusez-moi du terme, c'est lorsque
le jeune homme va observer pour la première fois la sortie du sperme en lui. Depuis ce jour-là, il devient balé, il devient majeur. C'est-à-dire entre 16 ans et 18 ans généralement. Être majeur. Depuis ce jour-là, tu deviens majeur. Tes péchés sont écrits de la même manière que tes hasanats, tes bonnes actions sont inscrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es pris en compte à partir de ce jour-là. Ça, c'est la troisième condition. Quatrième condition, c'est l'istitoa, la capacité. Et la capacité se divise en trois parties. Il y a une capacité qu'on appelle l'istitoa al-badaniya ou sihiyya. La capacité corporelle, sanitaire, ta santé te permet d'aller accomplir les hajj. Ça c'est un. Numéro 2, al-istita'atu al-amniyya, la capacité sécuritaire. C'est-à-dire, le chemin que tu vas emprunter pour aller accomplir les hajj, tu ne risques rien sur ce chemin. Et troisième capacité, c'est la capacité quoi? Al-istita'atu al-maliyya, avoir l'argent, les moyens pour aller accomplir le pèlerinage. Et ces moyens-là, c'est combien? C'est 100 millions? C'est d'être milliardaire d'abord? Non. Le professeur Salam dit « Man malaka zada wa rahila » Deux choses. Premièrement, azad. Les dépenses. Les dépenses que tu vas faire à la Mecque et les dépenses que tu vas laisser à ta famille si tu as une famille derrière toi. Ça, c'est un. Deuxième, c'est le transport, le billet d'avion, le visa. Alors, si tu as ces deux choses-là, tu as de quoi te nourrir et loger à la mer, et tu as de quoi laisser en ton absence quelque chose à ta famille, et tu as le moyen de te déplacer pour aller à la mer, en ce moment, le pèlerinage devient une obligation sur toi que tu dois l'exercer dans l'immédiat. Et à moins que nous ici, on fait l'estimation de cela. Avoir les moyens, n'est-ce pas, les dépenses, ainsi que les transports. Moi, quand même, j'ai estimé au maximum 5 millions. Tout musulman qui a 5 millions, il est musulman, il est majeur, il est libre, il a 5 millions pour lui-même, le hajj devient obligatoire sur toi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à toi en disant « Ta'ajjalu ila al-hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'buduna » Hâtez-vous, en précipitez-vous pour aller accomplir le pèlerinage, car nul d'entre vous ne sait pas ce qui l'avenir lui réserve. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Qui te dit que l'année prochaine, tu auras toujours cette santé? Aujourd'hui, tu as les moyens, alhamdoulilah, ça va. Tu as 10 millions en compte. Qui te dit, qui te donne l'assurance que dans 5 ans que tu es en train de programmer, tu dis non, je ne suis pas encore marié. Non, je n'ai pas encore 40 ans. Non, je ne vais pas encore faire le pèlerinage parce que je n'ai pas encore les cheveux blancs. Mais qui t'a dit que cela, ces choses-là sont des conditions pour que le hajj devienne obligatoire sur toi? Au contraire, c'est lorsque tu fais le pèlerinage pendant que tu es jeune, car Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Shababaka kabla hardi » Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Alors, qui te donne l'assurance que l'année prochaine va te trouver avec les mêmes moyens? Aujourd'hui, certes, tu as envie, mais qui te donne l'assurance? Toi, tu es en train de retarder le pèlerinage. Dans 5 ans, je le ferai. En 2020, en 2030, en 2025. Qui te donne l'assurance que tu vas vivre jusqu'à en 2020? Personne. Wallah. Qui t'a donné même l'assurance que tu vas vivre jusqu'à demain? Avant-hier, Wallah, on a prié sur le corps des frères avancés sur nous. Le frère qui s'appelait Mohamed Sibouli. Un jeune, en plein milieu de la jeunesse. Il avait 33 ans. On a prié sur lui. Le lundi, il était au marché. Il vendait à Rome, pièces détachées. Il a travaillé avec son patron comme il le faut, alhamdoulilah. Ils ont fermé, il est revenu à la maison. Il a posé avec ses amis jusqu'à 23 heures. Ça, c'était le lundi. Et le mardi matin, à 6 heures du matin, il a même réveillé son colocataire en lui disant « Il faut répondre à ton téléphone en train de sonner. » Ça, ça s'est passé à 6 heures. Mais ce frère-là, à 13 heures, on est venu trouver son corps couché là où il était. Il était endormi le matin. Il n'avait rien. Il n'avait même pas mal à la tête.
On l'appelait, son téléphone sonnait, il ne prenait pas. À 9h, à 10h, 11h, midi, son téléphone sonnait, il ne prend pas. On vient le trouver à la maison, il est couché, il est mort. Allah a fait son travail. Nul d'entre vous ne sait ce qu'il attend dans l'avenir. Toi qui es en train de retarder le pèlerinage, il dit l'année prochaine, je vais partir. L'année prochaine, je vais partir. Dans 5 ans, je vais partir. Tu es en train de te exposer à un danger très fatal. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'un de ses hadiths, il dit celui qui a eu le moyen d'aller accomplir le pèlerinage. Et il néglige l'accomplissement du pèlerinage jusqu'à ce que la mort va venir lui surprendre. Il dit celui-là, si tu meurs, à toi de choisir d'être le fidèle de deux religions. Soit tu meurs en tant qu'un chrétien, ou bien tu meurs en tant qu'un juif. En tout cas, tu n'es pas considéré comme un fidèle de la religion musulmane. Jim, c'est étonnant, c'est grave. Car on se prend à nous donne la bonne compréhension. Et pour que notre hajj soit un succès, il y a des conditions à accepter, n'est-ce pas, à mettre en application. Et ces conditions-là, l'Allah Ibn Abdelbar al-Maliki nous a résumé ça en 4 points. Que Inch'Allah, si le temps nous permet, nous allons revenir là-dessus. L'Amara subhanahu wa ta'ala kanu, Amara subhanahu wa ta'ala kanu. Ame chéria kwa kontrichite, mi kakani pato yifu ala ke, jenyo ontara. Ame tla ka chéria kwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ki alaka jwenye, alaka kirafanani, alaka nyemen kishicha makana, anaka sumo, anaka sahabo. Ani mwa mwono tula kwa mwkata sekiya manjuruma. Mene kwa kanga ki, wala daku mika buli, mika unye hiji. Plasi mirebe hiji la slamayala, n'a pas bien dit là, ani hiji yare kala jagwe yi mo qualité du manika an wo hiji slamaya tosin dol slamaya tola tosin duru nuka hiji wo tola kini na ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fanyi nyama hiji ala batu le ala batu ka fisa katme ala batu to bela jenga sa bu fe no be hiji la o te ala batu ko shila ala batu to swa o ala batu be ke ni fakul ka barali fakul ala batu ala bato do fana be olu te se ka ke fio fo na foro ka so yuro do be be farula ala bato ganzai do fana be olu fana en na farula ala bato droi ni na foro ti mo te se ko ke ina ko jaga ani saraka o nga ala o tala ya ke he ti kala ala bato e farula ala bato le awan na foro fana ka ka dépenser a ala bato fana se fe olu ko don ba do ba fani ne kuni e ti ka ni na foro suna Abina fi cela Abina fi tikabuke Abina fi jabu Abina fi sarakati ko agara ka fanya ko madama ulan pal maslama o heji a place islama ya heji ala batu yi ala talai ala batu ni ni an fe ko nga ke ka sani an yere kana tiyan ko ala talai a ni na fe ko nga heji ke watu na ibrahim alayhi salam tala al kaaba jolila ala ko ibrahim pa ka yele ko ka pa ka mo boli kana ali ala talaka ka so heji ibrahim ko ala ya allah Mene be mo wole to mene la mene be deserve le chemin. Alors tara ko Ibrahim, Ibrahim il est ta dain wole di. Jami ka wal ma ka wole di re la se mo ma. Ko be ni Allah subhanahu wa ta'ala. O la Allah subhanahu wa ta'ala e ake. Ka bi Ibrahim ka wa ta ka ta se dian la mana. Ado ma di bela jenie Ibrahim ka ni pre ni ka ni mene. O le ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ni place ba ko son heji. Allah ta'ala e paradi chama le la be heji ka ba wi. Amuni paradi mu kutuba kele te se ka a fo ka laba ka sa dana san kele yere kutuba yere te se ka kuma hiji yere na fa ka fo ka sa dana ola ami teman teman ta ton ka no ha kiji no ye ami ka no ha kiji no ye se la bo o fo la fo le ni ole ka fo mwom na itu chama ke akanyana ya mwom yere ma no bo ali ni ala chemanti jumu le kalibe ka ale ka dossier fa Ah, allez me faire regretter. Anni misala. Avec Allah subhanahu wa ta'ala ka yama alema. Ola uti la mo solution bi buru ku kala ka ya fa ya ole meji. Sabu bi Rasulullah alayhi wasallam fa ila ka hadis sabra. Ako el hajj ya dumu ma qablahu. Ako fem fe dumu dumu ni adma ne ake. Sani kata hejila. Itara hejila ye heji ke ake tu ira ira la. Ko heji be ni dumu bela je ya fa. Adara ka ya ma dumu ma. Aflana heji na fa aflana. Oli kafo ni mo mi hiji ke am bela jeni ka kuma kan kela mi bi kon do ni oli krisi bo krisi ba am bela jeni fane no so ni chama ne generalement an na na fu ni la an na fu
alhamdulillah ame sala fa ala yinge allah subhanahu wa ta'ala ya fo aka kran ne ka hadisauga ko ai hejini umrah ke kachaya kune ai hejini umrah ke kachaya ataka aka na fulu fide ame ka investissement le kati aboni ai hejini umrah ke kachaya ala bi awuro manchaya ka bo fangane ama ala bi awuro manchaya fara ka bo jumugo ola hiti yere nafa abilibili mi ولي كرا صلى الله عليه وسلم ما من عليه السلام الحمد المبروك ليس له جزاء في الجنه نمو هيجيك هيجيك توير لا كو سرا فويتي فو الجنه نمو كون ترى الجنه ويدي كنا جاني فقد فاز ومن حيا الدنيا الا ما دعوا له ولا بل مسلم امو ني هيجي نفادوني هيجي ركلا جاك اي تونيكا جوني كوليلا في كان هيجيك جاك يا ابو شاطناني نيو شابوناني دافالا إلا ولا هيجي كلاي كان جاب يا أشابو فلو فلو يكاك سلامي أشابو فلانا إلا بات بيا أشابو سبانا إكاك هورون أشابو نانا هيجي يرى موساقا وكا سرعي برو أمو هيجي موساقا كرا صلى الله عليه وسلم أيو فانيا أكو فين فلالي أزاد والراحلة إبنا ديباسي مموكا هيجي كيرولا إكا ما موساقا ممتو إكا ديبا يقول ani ka transporti kuna transporti visa wali ambonde wali ni osro ay buru wati wati ola heji khale kan jawe am nayi ni depense ni pela ke farano ka atete me million lu ola million lu bi buru yes la mai i par diala i horoy allah subhanahu wa taala heji ki kan jawe ay kira sallallahu alaihi wasallam be wona ibrahim ba finyele ki ka i jija i ka telia i ka heji ke telia buruma ko sam mo ma no aduma de ma no fembe ka kono chini bi ka kere est ce chini ni kene ni tu la diwa bi na fro mi bolo jone a fini na koni na fro me tu bolo fo ibe ka sam programme ibe ta heji la ola mo jol jol le na no ye milliard mo bolo me bi hal 500 transporter so mo ala ma ka pa ko la kula yo mi ho fi shan لوال سبحانه وتعالى بارا ولان بالناس لمو ني الله سبحانه وتعالى سيد غي واتو واتي ولا كرا صلى الله عليه وسلم كاتيليا لي كان يجيك ساو ني ما يجيك واتي لا ني سيان انا بارا الى واتي لا كرا صلى الله عليه وسلم ابو اي ده شي بارا ده ابو مومي الله سبحانه وتعالى اي كنيات ما اي نفرو فنا اي امو يا اي ibba na ina suma ta heji la isara ile heli ya nati negligence kama imata sebela iko a ne ma musufu foro jwa finye na ku musufu ye shati be kata heji la jwa lo finye iyo ita kumba iko a ne ma sambina msoro foro ne ma sambu wanduru la o sambu wanduru yere le heji ka di ala ita kame sambina ni heji kama iba la ku a ne u njimima ke foro jwa yo finye na ku be heji shatu la kira sallallahu alaihi wasallam ni tura ni hejanna isa sayana ni mbere ni tuli hejanna a kika dina fla choisi ka ke o dina mbolomi i konti sala mai ke so i kasa en tant que chrétien ou bien i kasa en tant que yahudia nazara ou bien yahudia i kon jatente sala mo bolo i kon jatente ala bolo ani akekra bolo ani sala mai ya bolo ina ko sala shu wala o ni ji bai heji ya kosa heji ka mmene barate chapu go kuna kuda insha Allah kunta na permit ami da insha Allah amani na subhanahu wa ta'ala faraka hadi madam alaka patu mne alaka salam ya kota alaka kafia na asi Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa atina shirka wa tawhidin wa dabbir a'da ka a'da atin wa ansur ibadaka wa hidin jamiin fi kulli makan rabbana